pourtant radieux. Il se tient devant toi. Connaître la sagesse.
En fait, le Marco Polo historique, comme il a vécu, comment il a vécu ce qu'il a vécu, m'intéresse beaucoup moins que le Marco Polo, l'image qui reste de Marco Polo. Alors il y a une résonance. Il y a une résonance entre Marco Polo et finalement ceux qu'on pourrait appeler les Marco Polo actuels. Tel astronome, par exemple. Des scientifiques ou des explorateurs aussi des nouvelles régions de l'esprit à travers la privation sensorielle et des drogues psychotropes ou un certain nombre de traitements qui fait parvenir à des zones inconnues peut-être du psychisme, t'sais. J'ai l'impression que Marco Polo c'est aussi la figure du... de celui qui a essayé de dire quelque chose qui n'a pas réussi. Je trouve ça assez, comme figure, je trouve ça assez désespéré. Alors, consentir à ce que, justement, les fruits de la découverte ne soient pas consommés à cause de la méconnaissance et qu'il n'en reste plus qu'une petite semence qui, elle, va germer pour les générations futures. Et alors, je me demande si le vieux Marco Polo est arrivé à la sagesse qui est celle des alchimistes. C'est un grand rêveur. Thank you.